À 33 ans, Sergio Busquets est encore très important au FC Barcelone. Mais cette belle histoire va rapidement se terminer. En pleine reconstruction, le FC Barcelone veut accorder une grande place à ses pépites. Pedri, Ansu Fati, Gavi ou encore Ronald Araújo sont le présent et l'avenir du club catalan. Mais pour entourer la jeunesse du groupe de Xavi, des joueurs expérimentés sont encore là. Ainsi, Dani Alves, Jordi Alba, Gérard Piqué et Sergio Busquets ont leur importance au Barça. À 33 ans, le milieu défensif est toujours la pierre angulaire des Blaugrana. Mais d'ici peu, Busquets devrait faire ses valises. Capitaine du FC Barcelone, Sergio Busquets est encore sous contrat, jusqu'en 2023. Et au terme de celui-ci, l'Espagnol ne devrait pas prolonger. Pour Barça Team, Matteo Moreto a expliqué qu'après son contrat, Busquets devrait filer aux États-Unis, afin d'évoluer en MLS. De quoi alors confier une énorme mission à la direction de Barcelone, qui devrait ainsi trouver le successeur de son milieu de terrain. Les chances qu'un accord soit trouvé entre le comité de direction du FC Barcelone et le clan Sergi Roberto diminueraient les jours passants. De quoi pousser le joueur formé au Barça à un pessimisme concret pour une prolongation de contrat, alors que Xavi Hernandez a fait part de sa volonté de voir son ancien coéquipier poursuivre au Barça. À l'instar d'Ousmane Dembélé, Sergi Roberto pourrait quitter le FC Barcelone libre de tout contrat à la prochaine intersaison. Cependant, au même titre que le champion du monde tricolore, le joueur formé à la Masia cultiverait le désir de poursuivre son aventure Blaugrana, mais les positions entre les deux parties sur le plan financier empêcheraient un accord total pour une prolongation. Et alors que la Major League Soccer et l'Atlético de Madrid seraient des options en cas de départ, Sergi Roberto commencerait à se faire une raison quant à son avenir compromis au FC Barcelone. D'après les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait renforcé sa position sur la question de la prolongation de contrat de Sergi Roberto. En effet, le comité de direction présidé par Joan Laporta ne souhaiterait à présent offrir un contrat au clan Roberto pour seulement une saison au lieu de deux. Il n'y aurait plus de réunion prévue entre les deux parties afin de les rapprocher d'un éventuel accord. Ayant préféré laisser la question des négociations à sa famille et ses représentants, Sergi Roberto serait de plus en plus pessimiste et estimerait que son avenir au Barça s'écrirait en pointillés.